Alors, nous sommes brefs. Dans la catégorie rôle masculin téléroman, les nommés sont... Paul Doucet. Luc Guérin. Patrick Labbé. Sylvie Nadon. Et François Papineau. Alors, le gagnant est... Je dis ça. Guy Nadon. C'est la troisième fois que Guy Nadon remporte le trophée artiste de cette catégorie en 4 ans. Bonsoir, bonsoir, merci. Ah, ça fait plaisir. Ça fait trembler intérieurement, ce truc-là. C'est un... Je suis pas... comment dire? Je vais essayer de dire ma façon... Je vais essayer de dire ce que j'ai dans la tête, mais comme je suis quelqu'un d'un peu échevelé mentalement, ça sortira pas nécessairement comme je le souhaite. Je peux pas recevoir ce trophée-là sans remercier... Je vais venir à vous dans 2 minutes. Sans remercier l'équipe avec qui je fais ça depuis 5 ans, d'en haut. Je parle du noyau dur de la famille, je parle de Marie Tifot, je parle de Stéphane Demers, Louis-David Maurras, Maxime Roy, oh, immortel, Marie-Lise Bourque et Geneviève Boivin aussi, qu'on a pu voir en début de soirée. Sophie Deschênes, la productrice. Les auteurs qui écrivent ça, des fois on reçoit les textes, on fait « Ouh, c'est pas vrai, dites-moi pas qu'on va être obligé de jouer ça » et pourtant on y arrive. Frédéric Damour qui réalise, qui est un capitaine solide en qui on peut toujours, comment dire, sur qui on peut toujours compter même quand on est épuisé. Maintenant, le public. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une théorie par rapport à mon métier et à celui des acteurs. C'est que un acteur est un pur produit de la société d'où il vient. C'est un ancien spectateur qui, je ne sais pas, pour une névrose ou une autre, décide de sortir de la salle, monter 5 marches, venir ici et croire qu'il va être assez bon pour être aimé, croire qu'il va être assez compétent pour témoigner de la vie de la société de laquelle il est issu. Quand tout d'un coup, je sens cette espèce d'approbation-là qu'on me donne, vous n'avez pas idée, ça fait 42 ans que je fais ça, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est une validation de toute la folle entreprise de vivre en français en Amérique du Nord, dont vous faites partie, et dont moi je suis un témoin. J'aimerais vous remercier de 2 ou 3 choses, je vais essayer de faire ça bref. Je suis quelqu'un de très gêné. Quand tout d'un coup, dans la rue, vous m'arrêtez pour me dire « Hey, Nadon, c'est bon, on aime ça. » J'aime ça parce qu'on le fait discrètement, vous le faites délicatement. J'arrive à survivre à la gêne que ça crée en moi et je suis très heureux de ça. Deuxième chose, d'habitude, c'est toujours les femmes qui écoutent les téléromans. Là, c'est drôle parce que c'est les hommes qui m'accrochent. Des hommes en quarantaine, dans la cinquantaine, qui fait oh, hey, monsieur Nadon, c'est, je vous regarde, je vais mettre le feu dans la télé quand la série va être finie. Absolument sympathique. Troisième chose, et ça va être la dernière, je pense que celle-là prépare l'avenir. J'ai fait une tournée cette année, une longue tournée avec « Tu te souviendras de moi » de François Archambault. On s'est promené d'un bout à l'autre du Canada et on s'est promené beaucoup au Québec. Au centre commercial à Sept-Îles, il y a une dame avec sa fille qui traverse comme ça là, un long couloir pour venir me parler. Et la fille parle français et la dame parle en montagnais. Elle comprend le français, mais elle ne peut pas le parler. Et elle dit qu'elle regarde haut. Un chauffeur de taxi, M. Mohamed Aramis, je lui ai dit, donnez-moi votre nom. Je lui ai dit, si jamais je peux en parler, il est venu, il écoute haut. Et là, lui, il est né en Égypte et il s'inclut dans nous. Il se reconnaît dans ce qu'on propose. Hier, la petite caissière chez Petro-Canada, Lémitia quelque chose,
et qui est sorti de la caisse pour venir me dire, « Monsieur Ladon, c'est bon, elle a 16 ans, elle regarde ça. » Elle me parlait de la mort de Maxime Roy, justement, puis elle avait dit qu'elle avait passé un moment extraordinaire. Bon. Je veux juste vous dire, quand on dit au début de la soirée qu'on est en famille, pas tout à fait vrai. La famille s'élargit. La famille devient plurielle. Et il y a beaucoup de gens qui veulent juste qu'on leur donne l'occasion, qu'on multiplie les occasions de s'inclure dans notre fiction. Et je crois qu'on va y arriver parce qu'on a déjà une réalité d'un public qui est là puis qui estime et qui apprécie ce que l'on fait. Merci beaucoup. Je vous remercie le public.